Bah, Jamy, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, je me mets au vélo, tiens. Oh, mais dis donc, il est drôlement lourd, ton vélo. Il est bien trop vieux, on va t'en trouver un tout neuf, tout léger, en aluminium. Ah ouais, tiens, un vélo en alu, ça va le faire. Ah non, en alu. Regarde ça, Jamy. Ici, on va trouver tout l'alu qu'il nous faut pour le confectionner, ton vélo. Nous sommes à Dunkerque, dans le nord de la France, dans une usine qui fabrique chaque année la moitié de la production française d'aluminium. La plus grosse de ces plaques pèse 13,5 tonnes. Ça devrait nous suffire. Alors, l'avantage de ce matériau, l'aluminium, c'est qu'il est à la fois léger, inaltérable, ça veut dire qu'il ne s'abîme pas, et mélangé à d'autres métaux, il est également très résistant. C'est pour toutes ces raisons que l'aluminium aujourd'hui a envahi pratiquement tous les domaines de notre vie quotidienne. L'aluminium est d'ailleurs le deuxième métal le plus utilisé derrière l'acier. On en produit 20 millions de tonnes chaque année dans le monde. Et la demande augmente sans cesse dans tous les secteurs, de l'agroalimentaire au transport, en passant par l'architecture. Un succès fulgurant pour ce métal découvert tardivement. Ce n'est qu'en 1854 que le chimiste français Sainte-Claire de Ville présente le premier lingot à l'Académie des sciences. À cette époque, l'aluminium est très difficile et surtout très cher à produire. Il est alors plus précieux que l'argent. On en fait donc des pièces d'orfèvrerie. Napoléon III avait même ses propres couverts en alu, plus chics que ceux en or laissés aux invités. Mais très vite, les industriels ont cherché à exploiter les propriétés de ce nouveau métal. Dès la fin du 19e siècle, les premières usines commencent à le produire en masse. Et très vite, en France, c'est Pechiney qui va détenir le monopole de l'aluminium. Tu te rends compte, Jamy? Dire que l'aluminium a été considéré comme un métal précieux alors qu'on le trouve dans le sol en abondance. Je sais, et c'est même le métal le plus abondant à la surface de la planète. Tenez, il représente presque 10% de l'écorce terrestre, plus que le fer, le calcium, le sodium, le magnésium, j'en passe. Pour info, le sous-sol est principalement constitué d'oxygène et de silicium. Pour autant, n'allez pas imaginer des poches d'oxygène. Cet élément est toujours combiné à d'autres éléments. L'aluminium, par exemple, avec lequel il forme de l'oxyde d'aluminium que l'on trouve dans la bauxite, cette roche rouge, équitablement répartie à la surface de la planète. Cela dit, les gisements les plus importants sont exploités en Australie, en Guinée, en Jamaïque, au Brésil et en Chine. Tiens, et puis au passage, sachez que de l'oxyde d'aluminium, on en trouve également dans le saphir et dans le rubis. Comme quoi, une bague en rubis ou en saphir, c'est jamais qu'une bague en alu. C'est ici, dans les Baux-de-Provence, en 1830, qu'un ingénieur français découvre le premier gisement de minerai d'aluminium. C'est ce qui donne son nom à la roche, notre fameuse bauxite. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la France en est le premier producteur. Aujourd'hui, on importe le minerai de Guinée et d'Australie et il est traité à Gardanne, près de Marseille. Une fois concassé, il est attaqué à la soude pour extraire l'oxyde d'aluminium. Cette poudre blanche est aussi fine que de la farine. Cette poudre blanche, l'alumine, est donc composée d'oxygène et d'aluminium. Alors ici maintenant à Dunkerque, on va séparer les deux, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aluminium. Et ça se passe dans ces gigantesques cuves. Venez voir. Alors l'alumine a été déversée dans un liquide spécial pour que la poudre se dissolve bien, un petit peu comme du sucre dans de l'eau, si vous voulez. Alors regardez, là, le bain est recouvert d'une sorte de croûte, mais sous la croûte, on a bien l'alumine dissoute dans son liquide. Alors ce bain est chauffé à 960 degrés et il est traversé par un courant électrique. C'est ce courant électrique qui va séparer l'oxygène de l'aluminium. Ce procédé, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse
Et c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on a su qu'il pouvait être utilisé pour l'extraction du métal. Alors pourquoi déployer de tels moyens? Eh bien parce que l'aluminium et l'oxygène, qui se présentent sous forme de petits grains, ce qu'on appelle des atomes, sont extrêmement liés les uns aux autres, et pas n'importe comment. Deux atomes d'aluminium font toujours équipe avec trois atomes d'oxygène, et ce n'est pas un hasard. En effet, tous les atomes ont une charge électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en gros, que les atomes se comportent entre eux comme des aimants. Tout se passe comme si chaque atome d'oxygène avait deux pôles négatifs, ce qui fait un total de six pôles négatifs. Et chaque atome d'aluminium, trois pôles positifs, ce qui fait un total de six pôles positifs. La suite, vous l'imaginez, les plus attirent les moins et vice-versa. Les atomes sont scotchés les uns aux autres avec un parfait équilibre des forces. Eh bien, grâce à l'électrolyse, on va pouvoir décoller les atomes. En effet, quand le courant passe, la cuve se comporte comme une grosse pile, le courant circule entre deux bornes, une borne négative, la cathode, et une borne positive, l'anode. Les atomes d'aluminium positifs sont donc attirés vers la cathode, et les atomes d'oxygène négatifs sont attirés par l'anode. Comme celle-ci est en carbone, l'oxygène se combine au carbone, produit du dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui part en fumée par la cheminée. Quant à l'aluminium, pour le récupérer, il suffit de purger la cuve. Et après trois semaines d'électrolyse, voilà tout ce qui reste de l'anode complètement brûlée par l'oxygène. Il faut alors la remplacer par une autre flambant neuve. Toutes les anodes sont fabriquées sur place à Dunkerque, dans un atelier spécial. Bon alors nous, sous la très haute surveillance de Francis, on va prélever un petit peu d'aluminium, histoire de voir à quoi il ressemble. Et en fait, c'est une opération qui est très régulièrement effectuée pour vérifier sa qualité. Alors l'aluminium s'est déposé tout au fond de la cuve, sur la cathode. Voilà, attention évidemment à ne pas se brûler. À ce stade, l'aluminium est brûlant, plus de 900 degrés, il est complètement liquide. Et regardez, dès qu'on le dépose sur le sol, il commence à se solidifier. Et Jamy, regarde ma louche. Elle colle complètement aimantée. Et puis, bien, hein, je peux toujours tirer dessus. C'est normal, la cuve agit comme un aimant. Pourquoi? Eh bien, quand on fait circuler un courant électrique dans un matériau conducteur, ce fil de cuivre, par exemple, qui entoure le clou, eh bien, le courant électrique génère un champ magnétique. Du coup, tous les objets qui contiennent du fer sont attirés. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec la cuve. Le courant électrique qui circule dans le bain génère un champ magnétique énorme. En effet, dans la cuve, le débit est de 300 000 ampères. Du coup, la louche de Sabine est scotchée à la cuve. Eh oui, pour produire de l'aluminium, il faut énormément de courant. Pour obtenir cette énergie à moindre coût, les premières usines se sont implantées près des barrages hydrauliques, comme ici à Saint-Jean, dans la vallée de la Maurienne. Mais cette industrie demande de plus en plus de courant. La nouvelle usine de Dunkerque s'alimente, elle, directement auprès de la centrale nucléaire de Gravelines. Chaque année, son secteur électrolyse consomme à lui seul autant d'électricité que toute la ville de Marseille. Bonjour la facture! Ça représente un tiers du prix de l'aluminium. Travailler au contact d'un courant électrique aussi fort et à proximité de tonnes de métal en fusion peut s'avérer dangereux. Il faut faire attention aux poussières qui peuvent être explosives. Et la moindre goutte d'eau peut déclencher des catastrophes. Les risques liés à l'eau dans la série d'électrolyse sont importants à cause de la présence de métal liquide. L'eau peut arriver par la pluie, par les entrées, et on évite tout contact du métal liquide avec l'eau car il peut y avoir explosion. C'est pour ça qu'en cas d'incendie, on n'éteint pas un incendie dans une série d'électrolyse avec de l'eau. Les pompiers en ont d'ailleurs fait l'expérience en février 2001, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans les cuves électrolyse de l'usine de Saint-Jean de Maurienne. Ils se sont battus pendant 6 heures avant de réussir à éteindre les flammes. À l'intérieur, la température est montée à plus de 2000 degrés. Mais le caractère explosif de l'alu n'a pas que des mauvais côtés. La preuve, c'est l'ingrédient principal de la fabrication des feux d'artifice. Et là, quand ça fait boum, c'est pour notre plus grand plaisir.
Venez voir, on vient de récupérer l'aluminium déposé au fond des cuves. Le métal liquide a été aspiré par ce tuyau et déversé dans cette poche qui peut contenir jusqu'à 10 tonnes d'aluminium. Et maintenant, direction la fonderie. La fonderie, c'est un peu comme une cuisine. Dans l'aluminium, on va rajouter toute une série d'ingrédients pour le rendre plus résistant. Car l'aluminium pur est très très souple, regardez, un peu comme du chewing-gum. Mais avec ça, bien évidemment, on ne peut pas fabriquer grand-chose. Pour le consolider, on va y ajouter d'autres métaux, très peu, hein, pas plus de 5% du produit fini. Alors on peut utiliser par exemple un peu de manganèse, du silicium ou encore du chrome, mais également du cuivre, tout rouge, et du fer. Alors les dosages varient en fonction des caractéristiques que l'on veut obtenir. Par exemple, un alliage destiné à l'aéronautique ne sera pas composé de la même manière qu'un alliage destiné à fabriquer des casseroles. Mais toutes les recettes sont tenues top secrètes. C'est donc dans ces énormes marmites que les différents éléments sont fondus. L'ensemble va mijoter 4 à 5 heures à une température d'environ 750 degrés. Il est régulièrement brassé pour être bien homogène. Et là, on est en train de l'écrémer, c'est-à-dire d'enlever les impuretés qui sont remontées en surface. Alors pourquoi l'aluminium pur est-il plus souple qu'un alliage? Eh bien, les atomes d'aluminium forment un réseau cristallin bien régulier. Des cubes avec un atome d'aluminium au centre de chaque face. Seulement, l'attraction entre les atomes n'est pas très forte. Du coup, tout se passe comme si les liaisons entre atomes étaient flexibles. Voilà pourquoi l'aluminium pur est souple. Les alliages le sont beaucoup moins parce qu'on va remplacer certains atomes d'aluminium par d'autres métaux, du fer, du manganèse ou du cuivre. Cette fois, l'attraction entre les nouveaux atomes et les atomes d'aluminium qui les entourent est beaucoup plus forte. Du coup, l'alliage résiste mieux à la pression. Mais l'aluminium pur a aussi des avantages. Comme l'or, il est si malléable et en même temps suffisamment résistant qu'on peut l'étirer jusqu'à devenir une feuille ultra fine, épaisse de seulement quelques microns. C'est le fameux papier d'alu qu'on trouve dans toutes les cuisines et autour des tablettes de chocolat, par exemple. Rien d'y penser, ça me donne faim. À la sortie du four, le métal est coulé dans des moules. Ici, sur cette chaîne, on fabrique des lingots. Alors à ce stade, l'aluminium est à 730 degrés, il est complètement liquide, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Le métal est très rapidement refroidi par de l'eau qui circule entre les moules. En moins d'une minute, sa température tombe à 350 degrés, le lingot se solidifie et il peut être démoulé. Et voilà le travail. Après un dernier arrosage, l'aluminium est bien dur et bien froid. Et celui-ci, eh ben, c'est pour le vélo de Jamy. Fais attention Sabine, à ton âge, tu vas te coincer le dos, c'est trop lourd. Mais non, t'inquiète pas la petite voix, ce lingot ne pèse que 16 kilos, le poids d'un enfant de 3 ans. C'est très léger l'alu, c'est même 3 fois plus léger que le fer. Alors pourquoi l'aluminium est-il plus léger que le fer? Eh bien parce que sa masse est moins importante. La masse, c'est la quantité de matière. Pour comprendre, il faut pénétrer dans l'intimité des atomes. Un atome, c'est un noyau avec un nuage d'électrons qui gravite autour. Approchons-nous encore un peu plus près. Le noyau est lui-même constitué de toutes petites particules. En rouge, les protons, en vert, les neutrons. Ce sont ces petites particules qui constituent la matière, qui font la masse des corps. Et bien sûr, un noyau d'atomes d'aluminium, il y a 13 protons et 14 neutrons. Masse atomique, 27. Sur un atome de fer, il y a 26 protons et 30 neutrons. Masse atomique, 56. Autrement dit, un atome de fer est plus de 2 fois plus lourd qu'un atome d'aluminium. Ben non, Jamy, ça va pas du tout. On a dit que l'alu était 3 fois plus léger que le fer, pas 2 fois. Mais doucement, j'ai pas terminé. Il faut aussi tenir compte de la densité. Autrement dit, le nombre d'atomes pour un volume donné. Tenez, pour un même volume, il y a 1,5 fois plus d'atomes de fer
que d'atomes d'aluminium. Concrètement, là où il y a 8 atomes d'aluminium, il y a 12 atomes de fer. Et comme un atome de fer est deux fois plus lourd qu'un atome d'aluminium, eh bien 2 fois 1,5, ça fait bien 3. Le fer est bien 3 fois plus lourd que l'aluminium. Cette belle tranche d'alu pèse quand même plus de 13 tonnes. Un sacré morceau qu'on va aplatir comme de la pâte à tarte entre deux énormes rouleaux compresseurs. C'est le laminage. Après ce traitement de choc, notre plaque d'aluminium sera 10 fois moins épaisse et 4 fois plus longue. Ensuite, une bonne douche froide pour figer la matière. C'est une étape importante pour renforcer sa résistance. Résistance et légèreté, ce sont des propriétés très appréciées dans la construction automobile. Beaucoup de voitures ont aujourd'hui leur capot, leur moteur et d'autres pièces en aluminium. Certains véhicules sont même entièrement fabriqués dans ce métal et consomment 20% d'essence en moins qu'une voiture en acier. Ce métal très léger est aussi utilisé dans l'industrie aéronautique pour le fuselage et les ailes des avions. Et l'alu fait même planer les navires à grande vitesse. Une autre qualité de ce métal, c'est qu'il ne rouille pas, même lorsqu'il reste à l'air libre et que le temps est plutôt humide, comme aujourd'hui, eh bien pas de problème, il reste lisse et brillant. Bon alors Jamie, qu'est-ce que tu penses de ton vélo? Il te plaît? Il est pas mal du tout, mais dis donc, qu'est-ce que tu dessines à côté? Le plan des roulettes, pour stabiliser ton engin, je me suis rappelé que t'avais des petits problèmes d'équilibre. Oh, mais pas du tout, je suis un garçon très équilibré. Alors revenons à cette histoire de corrosion. À quoi est-elle due? Eh bien, c'est l'oxygène contenu dans l'air qui se combine aux métaux. C'est un phénomène chimique tout à fait naturel. En effet, on le sait, un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. L'oxygène en manque, là et là. Les métaux, eux, sont prêts à en donner. Voilà pourquoi l'oxygène a une fâcheuse tendance à se scotcher aux métaux pour faire le plein. Alors dans le cas du fer, ce phénomène n'est pas uniforme, il se produit par endroits et en plus, il est renforcé par l'humidité contenue dans l'air. En effet, l'oxygène des molécules d'eau se combine également aux atomes de fer et c'est ce qui provoque la roue. Avec l'aluminium, c'est différent. L'aluminium donne plus facilement que le fer. Par conséquent, dès qu'il se retrouve à l'air libre, l'oxygène se précipite sur toute sa surface, se combine avec les atomes d'aluminium en produisant de l'oxyde d'aluminium, une couche protectrice. L'ennui, c'est que l'eau de pluie est légèrement acide. Elle attaque la couche de protection et si on ne fait rien, l'aluminium finit par se corroder. Heureusement, grâce à l'électrolyse, on va accroître les défenses naturelles de l'aluminium en augmentant l'épaisseur de cette couche de protection. C'est pour ça qu'on retrouve l'aluminium dans de nombreux emballages. Dans les boîtes de conserve, les canettes ou les briques de lait, il permet de mieux conserver les aliments. Cette résistance à la corrosion intéresse aussi les architectes. Grâce à ce métal, les bâtiments comme ici l'Institut du Monde Arabe à Paris ne prennent pas une ride. Là, l'architecture, ça laisse un peu à désirer. Bon, ici, ce sont les fils qui nous intéressent, car ils sont faits en alu, un excellent conducteur électrique. Ah, Sabine, ça y est, t'as trouvé mon vélo? Non, pour l'instant, Jamie. J'ai juste trouvé une sonnette. Marcel m'a dit qu'il fallait faire des économies. Alors, ton vélo, on va le faire avec de l'aluminium recyclé. Mais elle a changé de casque, Sabine. Oui, je ne suis plus à Dunkerque, mais à Compiègne, dans une usine de retraitement de l'aluminium. À force d'utiliser l'alu dans tous les secteurs, on finit par se retrouver avec des montagnes de déchets. Regardez ça un peu. Comme ce métal résiste à la corrosion, il peut mettre des centaines, voire des milliers d'années avant de se dégrader dans la nature. Alors recycler l'aluminium, c'est un bon moyen pour préserver l'environnement. Mais c'est surtout une énorme économie d'énergie. Ça coûte en effet beaucoup moins cher de refondre l'aluminium déjà utilisé plutôt que d'en produire du neuf. Aujourd'hui, en Europe, 30% de la production d'aluminium provient du recyclage. Oh super! Pour le vélo de Jamie! Il va être content! Arrête Sabine, au lieu de penser au vélo de Jamie, fais quelque chose, ils vont écraser ma voiture! Heureusement que c'est pour la bonne cause. Après avoir enlevé le moteur qui contient beaucoup d'aluminium, on passe les carcasses à la moulinette. Et à la sortie, on sépare l'acier et l'aluminium. Autre moyen de récupérer le métal, fouiller dans les cendres des incinérateurs d'ordures ménagères ou dans les décharges publiques. C'est pas très écologique tout ça, hein?
Et oui, actuellement, moins de la moitié de la population française dispose du tri sélectif des métaux. On est encore loin derrière certains voisins européens, comme les pays scandinaves et l'Allemagne, qui pratiquent ce système depuis fort longtemps. En France, tout l'aluminium collecté arrive dans l'usine de Compiègne. Avant de le recycler, il faut le classer, le trier, car il est encore mélangé à toutes sortes de matériaux. Et puis, dans certains tas, on ne trouve pas que de l'aluminium, mais également du bois, du plastique, de la ferraille. Et alors là, Jamy, pour isoler l'aluminium, on utilise une machine incroyable, la machine à courant de Foucault. Et là, je comprends pas du tout ce qui se passe, regarde. Les débris arrivent sur un tapis roulant, et en bout de chaîne, l'aluminium est éjecté au fond, tandis que les débris tombent sous la machine. Mais comment ça marche ? Comment récupérer l'aluminium ? Surtout quand on sait qu'il n'est pas sensible au champ magnétique d'un aimant, contrairement au fer. Eh bien, on va malgré tout utiliser un aimant. C'est le principe du courant de Foucault. Comment ça marche? Eh bien, souvenez-vous, quand un courant électrique circule dans un fil conducteur, il génère un champ magnétique. Eh bien, de la même façon, le champ magnétique d'un aimant va induire un courant électrique dans un fil conducteur, lequel courant électrique génère à son tour un champ magnétique. L'aiguille de la boussole bouge. Eh bien, il se passe exactement la même chose sur le tapis. Le champ magnétique de l'aimant induit un courant électrique dans l'aluminium, lequel courant électrique génère à son tour un champ magnétique. Autrement dit, l'aluminium s'est en quelque sorte transformé en aimant. Quand le champ magnétique de l'aluminium rencontre celui de l'aimant, il s'oppose et l'aluminium est repoussé comme deux aimants se repoussent. Une fois l'aluminium séparé des autres éléments, il faut le nettoyer et le classer selon sa famille d'alliage. Il est ensuite soigneusement analysé et préparé pour le four. Là, on refond les différents types d'alliages séparément afin de pouvoir rééquilibrer les mélanges. L'aluminium recyclé est essentiellement utilisé pour faire des pièces mécaniques. On reprend les canettes usagées, les plaques d'immatriculation usagées, mais non pas pour refaire les mêmes produits, mais ces produits sont destinés à aller dans les voitures, comme des blocs moteurs par exemple, ou les pistons. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'aluminium, on peut indéfiniment le recycler et que ça garde toujours les mêmes propriétés. Avec tout l'aluminium recyclé qui sort chaque année de cette usine, on pourrait fabriquer plus de 30 millions de vélos. Eh ben Sabine, si avec tout ça, tu trouves pas un vélo pour Jamy, on peut plus rien faire pour toi. Hein. Dis donc Jamy, il paraît que de l'aluminium, on en mange aussi. C'est possible ? Bien sûr. Alors pas l'aluminium qui entoure le sandwich, quoique. L'aluminium, on l'a vu, est présent dans l'écorce terrestre. Comme les plantes y puisent leurs nutriments, on retrouve l'aluminium dans certains végétaux, en particulier dans le thé et dans les plantes aromatiques. Mais ce n'est pas tout. On retrouve l'aluminium dans toute la chaîne alimentaire. En effet, les herbivores mangent des plantes qui contiennent de l'aluminium et ces herbivores finissent en steak dans nos assiettes. Et l'aluminium, on en boit aussi, ou plutôt du sulfate d'aluminium, pour rendre l'eau potable. Mais en 1988, à Camelford, en Grande-Bretagne, on en a déversé par erreur 20 tonnes dans les bassins de la ville. Après avoir bu l'eau contaminée, la population a souffert de divers troubles cérébraux. Cet accident, et avant lui d'autres du même ordre, ont conduit les scientifiques à s'interroger sur l'impact de l'aluminium sur notre santé. Ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui par rapport à des effets toxiques de l'aluminium, c'est savoir si l'aluminium passe très facilement à partir de nos aliments dans l'organisme, s'il s'accumule de manière significative dans des conditions normales chez un individu sain dans le cerveau, et si l'accumulation d'aluminium dans le cerveau peut conduire effectivement à, je dirais, une modification du fonctionnement cérébral et éventuellement à des maladies du cerveau et du système nerveux en général. Bon, mais pas de panique. Aujourd'hui, on absorbe entre 2 et 10 mg d'aluminium par jour. C'est difficile de dire à partir de quelle dose cela devient toxique. Mais les chercheurs estiment qu'on peut en ingérer sans problème 1 mg par kilo de masse corporelle. Donc, une personne qui pèse 50 kg peut avaler 50 mg d'aluminium. Enfin, ça n'empêche pas de prendre quelques précautions. Ce qu'on peut conseiller quand on veut ne pas avoir d'apport en aluminium trop important, c'est de ne pas cuire ou conserver des aliments acides
exemple jus de fruits, exemple compote de certains fruits, dans des récipients en aluminium, et ne pas laisser des denrées alimentaires qui sont dans des conserves en aluminium ouvertes pendant très longtemps dans son réfrigérateur ou sur le coin de la table. Aujourd'hui, la plupart des casseroles et des instruments de cuisine sont en acier inoxydable. Les rares ustensiles encore fabriqués en aluminium sont normalement recouverts d'un revêtement protecteur. Bon, bah c'est pas tout ça, hein. Et Sabine, elle en est où avec son petit vélo, hein? Ça y est, Jamy, j'ai ton vélo, enfin un bout de ton vélo, hein. Le super, cadre. Super, il est drôlement beau, ouais. Chouette, hein? Mais il est tout mou, mon vélo. T'as dû te tromper dans les dosages. Ah bah oui, je crois, oui. Tiens, moi je t'ai trouvé ton équipement. Bah, que veux-tu que je fasse avec une passoire? C'est pas une passoire. C'est un casque en alu. Oh, c'est l'alu, cette émission.